Hey, on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre source santé optimale en ligne. Hey, bonjour. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est ramener les choses simples pour passer à travers des périodes un petit peu plus difficiles, mais qui vont rester comme bonnes habitudes pour avoir une santé et une énergie resplendissante comme le soleil aujourd'hui. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, même si c'est en rediffusion, on adore savoir qui est là. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, on va partager avec toi des trucs simples, santé. Alors, des choses à éviter pour avoir une santé optimale et aussi des choses à augmenter pour continuer à avoir une santé optimale dans ce moment et aussi pour les années à suivre. Exactement, en plein ça. Donc, tu peux prendre un crayon, un papier pour les écrire. Tu vas voir, c'est des choses simples. Tu les connais déjà. Mais on a une question pour toi. Puis réfléchis à chaque point. Tu le connais, tu le sais, mais est-ce que tu le fais? Puis on revient à notre petite affaire qu'on dit souvent, c'est ce qui est facile à faire. Est aussi facile à ne pas faire. OK? Alors, prends soin de ça. Alors, on va rentrer tout de suite dans la matière. OK. Qu'est-ce qui est à éliminer ou au moins réduire de façon importante? Ta consommation d'aliments transformés. Donc, les aliments transformés qui restent dans une boîte, tu pourrais laisser sur le comptoir de ta cuisine chez vous, revenir dans 3 semaines, puis la boîte est encore là. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ce que nos cellules ont besoin présentement, c'est du carburant pour faire toutes leurs fonctions de façon optimale. Donc, on veut des aliments vivants qui vont donner des bons nutriments à nos cellules. Et bonne nouvelle, il y a encore des aliments vivants qui sont disponibles pour nous, OK? Deuxième chose, évite tous les aliments qui contiennent des sucres ajoutés. Donc, ça rentre dans la première catégorie, les aliments transformés en ont très souvent. Mais quand tu vois qu'un aliment a beaucoup plus de sucre ou qu'il y a des sucres ajoutés, ben c'est vraiment pas une bonne idée de mettre ça dans ton alimentation, si bien entendu, tu vas avoir une santé optimale. Et une autre chose qu'on t'encourage à réduire, puis faire très attention, parce que les gens ont tendance peut-être à cette période-ci, étant donné que il y en a beaucoup d'entre vous ici au Canada, aux États-Unis ou en Europe, même en Asie, qui vont être plus à la maison. Et soudainement, c'est comme si c'était le vendredi soir et le samedi soir à tous les soirs de la semaine. Et graduellement, ils vont augmenter de façon importante des aliments ou des breuvages, comme de l'alcool, qui vont avoir tendance à consommer peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et petit peu, ça va être le party pendant toute la semaine. Ça serait pas une bonne idée. Fais attention à ça, puis garde une routine qui est quand même régulière. Exactement. Ouais, Deux autres choses. Fais attention avec les mauvaises relations. Alors, mauvaise relation, alors ça veut dire ton entourage. Mauvaise relation, si tu es à la maison avec des personnes mais avec qui tu es en quarantaine, c'est important de trouver si c'est ta famille, tes amis qui sont proches de toi, qui sont là, ben c'est de trouver des façons de améliorer la relation. C'est toujours meilleur. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que c'est juste une réflexion maintenant que t'es moins au travail, moins en connexion avec tes amis, tout ça. Peut-être faire, quand le printemps arrive, de faire un petit ménage au niveau de ton entourage et de te tenir avec les personnes avec qui, toi, tu as du fun, tu as du plaisir, puis qui font sourire. Alors, c'est un bon moment. Alors, fais attention aux mauvaises relations qui tirent vers le bas, qui sont négatifs autour de toi. Entoure-toi du positif si c'est ça que tu veux atteindre. Ensuite, fais attention à le temps que tu passes devant les médias de masse. Alors, la télévision, les médias sociaux. Fais attention à qu'est-ce que tu es en train d'écouter. Est-ce que quand tu l'écoutes ou quand tu le regardes, tu lis, est-ce que tu as une émotion de bonheur, d'espoir, d'amour? Ou est-ce qu'à la fin, tu es plus stressé? Puis on dirait que c'est comme accrochant. Tu es comme, oh, je veux écouter quelque chose d'autre. Encore plus. Puis là, peut-être tu as la difficulté à t'endormir et tu te sens « wash » pour le restant de la journée. Alors, tu as toujours le moment d'arrêter, de dire « est-ce que ça me rend heureux ou heureuse? Est-ce que ça me fait du bien dans mon cœur? » Et après ça, tu as le choix. Est-ce que je continue ou j'arrête? Exactement. Ouais. On en a souvent parlé durant nos capsules de Facebook Live. Le cerveau humain n'est pas fait pour
entretenir le bonheur. Le cerveau humain est fait pour une chose, c'est s'assurer qu'on survit. Mm-hmm. Et ce qu'il cherche, c'est le négatif. Mm-hmm. Pourquoi? Pour nous mettre en système d'alarme pour qu'on puisse, on puisse réagir. Ouais. Donc, mais on a les capacités d'aller vers l'amour, mais c'est une pratique et c'est un entretien exactement. Journalier. Ouais. En plein ça, étant donné que notre cerveau est programmé pour chercher le négatif, comme il y a des dizaines de milliers d'années, c'était important de savoir ce qui était négatif, qu'est-ce qui pouvait peut-être être dangereux pour notre vie. C'était très important pour la survie de la race. Mm-hmm. Aujourd'hui, la grande majorité des stimulants qui amènent notre cerveau vers le négatif, ça n'a aucun rapport avec la survie de la race. Et en fait, c'est néfaste pour nous. C'est très, très néfaste. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on doit augmenter? Ça, c'était à éviter. Commençons maintenant vers qu'est-ce qu'il faut mettre plus. Exactement, c'est ça. L'aliment le plus important pour le corps humain, de l'eau. Juste de l'eau. Comme si vous étiez un chevreuil, vous promenez dans la nature et vous avez soif, ben qu'est-ce que vous buvez? C'est pas quelque chose avec des additifs ou je ne sais quoi, c'est de l'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau et prenez le temps de l'apprécier parce que où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et où de la vie, il y a de l'espoir. Mm-hmm. Alors, buvez de l'eau en grande quantité. En grande quantité et peut-être que ça, comme ça, ça prend plus de proportion dans ta vie que d'autres breuvages. Voilà, exactement. Numéro 2, consommation, augmenter. La consommation d'aliments vivants et frais, tels que les légumes. Là, on parlait tout à l'heure d'éviter les aliments qui sont transformés. Et qu'est-ce qu'on veut nourrir nos cellules? C'est vraiment un bon moment, là, en tout temps, mais spécialement, présentement, c'est de nourrir les cellules, merci, avec des bons nutriments dans des aliments qui sont plus vivants, tels que, comme on disait, des légumes, plus dans leur état naturel. C'est ça que nos cellules ont besoin pour être plus en santé et pour ton système immunitaire. Exactement, en plein ça. Puis en équipe avec ça, on dit bien en équipe avec ça, c'est de s'assurer que tu as un niveau optimal de micronutriments, surtout les vitamines, minéraux, les antioxydants, on va rester dans ça, parce que chacune de nos centaines de milliards de cellules ont besoin de ces micronutriments-là pour faire toutes leurs fonctions, entre autres combattre tout ce qu'elles ont à combattre à tous les jours. Donc, c'est une excellente idée et ça vient pas de Jessica et Bruno, ça vient de centres de recherche en optimisation de la santé très reconnus, d'ajouter un complexe de multivitamines, multiminéraux biodisponibles. Et ce mot-là, on va l'élaborer un petit peu plus dans notre Facebook Live de demain, où on va parler spécifiquement de la supplémentation parce que je sais pas si vous êtes comme nous, là, mais on remarque dans les médias sociaux présentement, il y a toutes sortes de recommandations, des supposées découvertes avec certains suppléments. On va éclaircir ça, on va simplifier ça. Donc, oui, c'est une bonne idée de prendre des suppléments, mais c'est important que ça soit fait dans un contexte qui est sécuritaire, puis qui va travailler en équipe avec vos bons aliments. C'est bon? Donc, les suppléments. Si toi, tu veux déjà en savoir un petit peu sur la supplémentation, tu peux faire un message privé à soi, moi ou Bruno. On pourrait t'en jaser avec ça. Une autre chose à augmenter. C'est les bons gras à chaque repas. Alors, exemple, des avocats, de l'huile d'olive, des olives, noix. Des noix. OK? Alors, ça, c'est très bon. Alors, avec des aliments qui sont vivants, avec du bon gras. Ouais, en plein ça. Une autre chose qu'on te suggère fortement d'augmenter, c'est de dormir plus et de dormir mieux. Mm-hmm. Okay? Donc, on sait que quand on est fatigué, anxieux, un des premiers systèmes qui est affecté dans le corps humain, c'est notre système immunitaire. Donc, de prendre le temps de dormir, c'est d'avoir quelque chose qui est... de dormir, mais de bien dormir aussi. Une autre chose qu'on peut... On a déjà parlé de différentes façons, ça va être d'autres sujets.
En tout temps, si tu as un sujet que tu aimerais approfondir, envoie-nous un message. Ça nous ferait plaisir de te refiler une autre vidéo sur ce thème. Ensuite, c'est bouge 30 à 45 minutes, bouge ton corps 30 à 45 minutes par jour en faisant quelque chose que tu aimes. Là, peut-être on est comme plus confiné à la maison, mais comme tu vois sur les médias sociaux, il y a plein d'entraînements, il y a plein de vidéos de yoga, il n'y a pas d'excuses. Sur YouTube, il y en a, et même tu peux composer quelque chose, il y a les cubes d'énergie avec le grand défi Pierre Lavoie qui lance des vidéos. Alors, c'est juste de le céduler dans ton horaire et de le respecter, de le faire, de t'amuser avec. Et pour un bonus, pour avoir un petit peu de l'air frais, tu peux ouvrir une fenêtre ou le faire sur ton balcon ou même dans ta cour en arrière. Voilà. Et on a une nouvelle qui s'en vient cette semaine pour t'aider davantage. Ça va venir bientôt. Alors, notre nouvelle émission de télévision sur Cogeco TV, Bouge ta vie, lance à partir de lundi, le 30 mars. Et on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Il va être lancé partout au Québec. C'était supposé juste être à Laurentide, mais il va être lancé au Québec. Excuse-moi. Fallait que je te le dise. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Et des nouvelles qui s'en viennent. Alors, vraiment, pas d'excuses. Continue à bouger et t'amuser. Et une chose qu'on t'encourage très fortement à augmenter dans ton quotidien, c'est les occasions de rire. Puis, il y a deux façons de faire ça qu'on peut te proposer. Un, prévois-toi un rendez-vous FaceTime si tu es sur Apple ou bien sur Messenger avec quelqu'un qui te fait rire beaucoup. Un ami, quelqu'un dans ta famille, une connaissance. Puis faites-vous un rendez-vous tout simplement, puis vous pouvez peut-être prendre un thé et puis passer du temps ensemble pour rire. Une autre façon de rire, c'est de prévoir du temps à regarder des films humoristiques. Peut-être des films que tu n'as jamais vus, peut-être que ce sont des classiques qui t'ont fait rire beaucoup, beaucoup quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce qu'on fait un petit peu chez nous, que des fois je rentre dedans, ben des fois c'est plus Bruno et son fils qui le fait. Ils vont sur l'internet puis ils trouvent des jokes puis continuent à se raconter des jokes une après l'autre après l'autre après l'autre, et c'est pas mal drôle et ils rient vraiment laugh out loud. Alors c'est voilà. Bon pour ta santé. Ouais, c'est essentiel pour ta santé. Alors de c'était rire. Plusieurs trucs qui sont simples pour ta santé. Puis j'espère que tu as pris le temps de réfléchir à chacun des points, soit éliminés ou ajoutés. Et comme je sais, tu le sais déjà, mais est-ce que tu le pratiques dans ta vie? Surtout si toi, tu veux avoir une santé optimale, améliorer ton système immunitaire dans ce moment et pour les années à suivre. Voilà, c'est bon. Alors, Bruno et moi, on prépare un deuxième guide de bien-être à la maison. Alors, on a envoyé deux semaines le premier guide de santé et bien-être à la maison avec des vidéos de yoga, des conseils sur la nutrition, sur la supplémentation. Et si toi, tu aimerais avoir le deuxième guide qui va sortir ce vendredi, alors juste écrire guide 2 en bas, ça nous ferait plaisir de te l'envoyer gratuitement. Super, sur ça, parfait. Si tu as trouvé que c'était intéressant, s'il te plaît, partage. Merci beaucoup. Puis si tu as des questions, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires ou en message privé à Jessica ou à moi. Et demain, on parle de la supplémentation. Voilà. OK, bye. Salut.